Mexico avec l'étagère. La peau en or, mon gars. Là, on va ken. Ah bah là, mec, the multi-ken. The ken dans l'espace, moi. On turbo-ken. Une rumeur court comme quoi il y aurait un fantôme dans le lycée après les cours. Vrai ou faux? À toi de trouver. On nous a racketté? Nathaniel! Nathaniel! Je suis pas assez forte pour régler mes problèmes toute seule. Là, c'est Conan qui part sur les sentiers de la bagarre. Je me suis déguisé en pute. Ok, taguez son casier. J'en ai marre de Nathaniel! Tu as tellement peu de goût que t'es obligé de copier mon super style pour essayer de ressortir. Là, elle marque un point. Achète-lui des araignées, je suis sûr qu'elle déteste ça. Oh, qu'est-ce que tu veux? Mais t'as fait ça en plein après-midi? T'es bête ou quoi? Elle est turbo-code. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, mais je rêve des gradations! Pute! Ah, j'en ai partout sur les bouts des doigts! Il y avait Jaïn, cagole, elle avait du butane! Ça serait allé plus vite! Coucou les copains! Coucou! Ça va? Ça va nickel. Et évidemment, toi. Les copines. Oui, bah, les copines qui sont beaucoup plus. Qui sont majoritairement, hein. Donc coucou à vous. Bonjour. Bonjour. Vous savez, on fait des trucs très rigolos ailleurs dans d'autres vidéos. Les filles, vous pouvez très bien jeter un œil. Non, hein. Non, mais c'est. Non, mais c'est vrai, Zelda, c'est pas que pour les garçons. On hésitait à faire des jeux. Là, on va commencer un let's play. C'est possible qu'on commence un let's play sur un jeu yaoi à la con. Ce serait formidable, je pense. Ça serait très cool. Et je rentre chez moi, à demain. Par exemple, là, nous... À demain. À demain. On pensait à Dramatical Murder, qui est un culte. Alors, ce sera la version non censurée, et on serait obligé de mettre le visage d'Askens sur tout ce qui est sale dans le jeu. Ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment marrant. On mettra... Mais de toute manière, le visage d'Askens, il faut que ça devienne un running gag. On fera des t-shirts avec le visage d'Askens dessus. Oui. S'il dit oui. Non, il dira non. Tiens, Castier, Hubert. Oh, Castier. Ils nous aiment vraiment pas, hein. Hé, hey, frotte bien et pars pas trop tard si tu veux pas rester coincé ici pour la Alors, nuit. Maintenant il a la voix de l'ado, l'ado caricatural. Ah oui, pardon. Hé, hey, frotte-toi bien. Non, ça c'est faut qu'on reste constant dans nos personnages. La voix comme ça, c'est Rosalia. Et Rosalia. Lui c'est. Frotte bien et pars pas trop tard. Si tu veux rester coincé pour la nuit. C'est Pinocchio, dont avez-vous déjà vu? Il est parti. Icono dur, bon courage, j'espère que tu rentreras pas trop tard chez toi. Merci! Merci! J'entendais rire. J'entends des rires dans ma tête. Oh non, pas elle! Elle va juste lancer un sourire narquois en partant. Salam! Suivi de près par Charlotte. Par où, Amu? Je vois pas lui. Je ne vois pas, et si d'ici, il n'est pas là. Ah, elle va me faire attendre longtemps comme ça, elle est sûrement partie en douce. C'est Golden Icono Dur, hein, on rappelle. Oui, c'est... Golden Dur. C'est quand il a révélé son stand. Icono Dur. Et elle, c'est quoi sa voix? Dis donc, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends dans la cage d'escalier depuis tout à l'heure. Tu pensais partir, peut-être? Elle a la voix de Gruntilda dans Banjo-Kazooie. Mais non! Je t'attendais ici, moi! Bah t'as de quoi nettoyer! Suis-moi, on retourne dans les escaliers! Au fond du couloir. Suivre Lily. C'est au fond du couloir. Continuez à suivre Lily. C'est au fond du couloir. Écoute pas sur moi. Mais j'avais compris. Mais je vais te enlever un bâtard. Ok. Waouh, ça nettoie vite. Pas objectif. Waouh, ça nettoie vite. Repère le tag dans la cage d'escalier et nettoie-le. Dans la cage d'escalier. Mais on a nettoyé le... Ah, couloir 2. Ok. Ça m'a pris pas mal de temps de nettoyer ce tag. Wesh! Wesh alors! D'ailleurs, tout le monde est parti et il fait nuit. Ouais, mon raccord. Il fait nuit! Pourquoi je suis toute seule dans la cage d'escalier? Faut que je me dépêche de retrouver lui! Il va rentrer chez moi! Nathaniel! Le tag wesh alors! Bah non, mais c'est bon, j'ai fini la quête. Là, l'objectif, c'est de retrouver lui. Ouais, j'aime bien l'idée que Lee, elle parle de manière comme ça. Indistincte. Quoi? Pardon? Mais t'aurais pu rester là, le temps que tu nettoies. Hey, on serait peut-être allé plus vite si t'avais aidé, hein, je dis ça. Mais je dis... On entend un bruit étrange, une espèce de rire ça, écho. C'est le rire de... comment il s'appelle? C'est Wamu. C'est Wamu. Quand il a... Non, c'est pas Wamu qui a tué César. C'est... Shinja!
Ils se sont battus. Mais c'est quoi ce bruit? Un peu, oui. C'est... Il doit y avoir une explication. C'est un effrayé, genre... C'est sans doute le pouvoir de... C'est un stand ennemi. C'est une ombre. Ah ah, liez-moi sans rentrer chez nous à la vitesse de la lumière. Est-ce que c'était vraiment un fantôme ou est-ce que c'était Ken? Il va falloir Ken le fantôme. Alors, ça fait peur les fantômes. Lee nous a raconté quand vous avez entendu un bruit et t'es parti en courant comme une fillette. T'es peut-être une fillette en fait. T'as peut-être que 15 ans. Hein. 15 ans. Oh. Elle a frappé un vieux d'angoisse, salope. Elle a fait plus haut que moi. À d'autres, trouillarde. Comme si le lycée était hanté en n'importe quoi. Non mais t'es trop conne. C'est trop conne. Il n'y a jamais eu de salope comme ça, moi, dans ma classe au lycée. Moi non plus. Main beat, faut avouer qu'il n'y en avait pas. Je vais refaire un tour là-bas pour voir si je trouve encore des traces d'ectoplasme. Peut-être que c'était juste un mec qui s'est branlé. Tu crois qu'il y a un fantôme? Non, c'est la cagole. C'est la cagole. Tu crois qu'il est en fantôme dans le lycée, hein? Dans le lycée, j'ai vu quelque chose de bizarre. Je ne crois pas trop au fantôme, putain de Kong. Tu es sûr qu'il n'y avait personne? Veilleur de nuit. Il y a un veilleur de nuit dans le lycée? Non, je ne crois pas. Mais ça me paraît être une solution plus réaliste. Ah oui, peut-être. Peut-être. Je vais voir si... Trouve deux objets suspects là où le fantôme est apparu. Okay. Donc il faut retourner dans le couloir 2. Ok, le couloir 2, c'est juste le couloir 1, mais en zoomé. Donc il faut que tu avances encore plus loin. Là, il y a un objet suspect. Là, il y a un autre objet. Un morceau de plastique et des mégots de cigarettes. C'était un fantôme qui fumait des grosses clopes. Des gros ouinges. D'énormes ouinges. Demande leur avis à soit Nathaniel ou à Castiel. Alors nous, on est parti Pour Nataken. Pour Nataken. Il est pas là. Je suppose qu'il faut encore le rencontrer au hasard. Je suppose. Oh là là. Oh là là. Mais non, mais nique ta mère, je voulais pas te voir, toi. Tu vas pas croire ce qui m'est arrivé. Mais putain, le mec, c'est un putain de Pokémon sauvage. Oh, regarde, c'est ça la mèche, le mec. Moi, je veux Pikachu. Qui te troll. Mais c'est marrant, ça. Mais nique ta mère. Mais t'es retardé ou quoi? Bon, du coup, de me dire ta grande nouvelle ou pas? Alors, j'étais dans le cage d'escalier avec Lee, on a vu un fantôme. Notre personnage n'a aucune intelligence, il est donc incapable de faire preuve de sarcasme. Donc j'ai vu un fantôme, il fumait des clopes et il a laissé des bouts de plastique par terre. C'est de l'ectoplasme. Putain. Tu sais, c'est comme dans Ghostbusters, genre tu recouvres de plastique un truc. T'as pas une petite... Peut-être la question, t'as pas une petite idée? T'as l'impression que j'aime les devinettes? Tu viens me parler? Dis ce que t'as à dire. Putain, mais nique-toi, Castiel, t'es une grosse merde. T'en as d'autres des comme ça. Je t'assure, on avait fini de nettoyer les tags avec lui et on est parti en courant. Comme des connes. Oh. Mais c'est vrai que t'étais dans le cage d'escalier après les cours. Oui, et ça te dit quelque chose? T'as vu des trucs bizarres là-bas ou pas? Maintenant que tu le dis. Oui. Je me souviens d'une rumeur comme quoi il y a quelques années. Non, c'est insupportable comme voix. Un prof mort en glissant dans les lieux. Il hante les lieux. T'es sérieux? Mais t'es vraiment bête, hein? Moi, je suis intelligent. Je suis de Castiel. Insupportable, Castiel. Et comment t'expliques ce que j'ai vu? Oh la vache. Il nous déteste. Il nous hait. Non mais sérieusement, te donne pas autant de mal, on s'en fiche, hein? T'as vraiment cherché... Oui! J'en viens te voir dès que j'ai quelque chose! Mais j'en ai rien à foutre de toi, putain! Mais casse-toi, on voulait pas te voir! Moi, je voulais voir Nathaniel. T'as retrouvé par finir, casse... Du plastique et des mégots, t'as raison, tout s'explique maintenant! Mais j'étais pas là hier. Et alors, les fantômes, ça fume et ça mange du plastique, c'est ça? Alors, celle-là, je la trouve marrante. Là, ce qu'il vient de dire. C'est vrai. T'arrêtes de te moquer de moi, oui? Oh! Fais un effort! Parce que c'est pas évident de se retenir, là. Tu vois bien que tu trouves pas de preuves de quoi que ce soit. Laisse tomber. On vient pas se plaindre après si tu fais te bouffer par un fantôme. D'accord. Ça mange les gens, les fantômes? Oui.
T'es sûr? Nathaniel! J'ai vu un truc bizarre hier soir! Numis! Hier soir? Bah oui, bah je nettoyais les tags après les cours, tu sais. C'est vrai que tu étais ici après les cours. Est-ce que tu as bien nettoyé tout le sol avec ta langue? Bah oui, j'étais là, avec Liv. Et tu sais bien pourquoi? T'es tout bizarre? Non, ça revient. Qu'est-ce que t'as vu? Un fantôme! Un fantôme, tu dis? Allez, ensuite. Comme un cri, une grande ombre est apparue. Comme un cri dans la nuit. Je mets ça? Je sais pas. J'en ai marre, moi je les comprends pas ces mecs. Je les comprends pas, les garçons. Je les comprends pas. Sucré. Je mets ça? Ouais. Vous avez bien dû faire des idées, à mon avis. Non, je t'assure, il y a un fantôme, je vais mener ma petite enquête ailleurs. On n'a pas pu se faire des idées à deux, je vais mener ma petite enquête d'ailleurs. Je pense pas, je vais mener mon. Je mets quoi? C'est la même chose, les trois. C'est la même chose. Est-ce qu'il aime les naïves ou les cartésiennes? Les cartésiennes, je pense. T'es sûr? Je sais rien, je comprends plus. Je comprends plus, les garçons. T'es sûr, celui-là? Oui. Pourquoi tu veux mener une enquête là-dessus? Comment se fait-il tu que... Tu crois vraiment aux fantômes? Je sois moi-même un mec et j'arrive pas à le comprendre. Peut-être. En tout cas, il y avait quelque chose ou quelqu'un là-dedans, c'est sûr. Comme tu veux. Mais non, pas comme je veux. Aide-moi. Donne-moi des indices, quoi. Nathaniel est le délégué principal de... C'est un garçon sérieux avec qui il est plutôt facile de s'entendre. Il est responsable, calme et timide, très sensible à la critique, son perfectionnisme ne saura souffrir aucune critique. On n'a absolument pas critiqué, ça aide zéro. On a critiqué que dalle, on a juste dit que... Mais des fois, ça marche pas parce qu'il y a des trucs derrière. Genre quoi? Attends. C'est un poisson, c'est ça? Parce qu'il y a de l'eau? Ah non, un verso. Moi, je fais pas d'astrologie, mec. Écoute, je vais te mettre... Putain, coûtait 100 PA de faire un coup de cœur. On s'en bat les couilles, on en a 1400. Castiel, maintenant. Castiel. Castiel est un peu dur à approcher. Ce n'est pas évident de parler avec lui ou de savoir ce qu'il pense, mais au fond, c'est sûrement quelqu'un de sympa. Malgré son mauvais caractère, il apprécie les gens qui ont du répondant. Ah bah ça s'est ça vu. Ça, on l'a fait au chapitre 1, quand on lui a demandé de signer ses putains de papiers. Non, moins 10. Je suis Castiel, je me masturbe avec ma guitare. Non, mais il est insupportable, le mec. Nique ta mère. Donc Nathaniel, faut le brosser dans le sens du poil. Castiel, faut l'engueuler. Ouais, c'est ça. Nathaniel, faut lui polir la bite. Faut quoi? Moi, je comprends plus rien. Faut être contre quoi? Contre la discipline, mais pas trop. Ok, donc c'est vraiment un rebelle à la noix. C'est vraiment un rebelle de merde. Allez, on va revoir Nathaniel. Ta petite enquête donne quelque chose? Oui, regarde, j'ai trouvé ça! Des bouts de plastique et des mégots? J'adore fumer, manger du plastique, comme tous les fantômes. Et là, il faut... ça ne trouve absolument rien. Il y avait bien quelqu'un. On lui met ça ou ça? Non, il comprend ça comme une critique de sa personnalité, ce gros con. Il te rend pas compte. Je mets quoi? Y a pas un veilleur de nuit peut-être? Celui-là? Ouais. Non, il n'y a jamais eu personne la nuit, pas de veilleur de gardien. Bon bah je vais continuer à mener ma petite enquête alors. Ces objets n'ont pas pu apparaître par magie. Tu vois bien que tu ne trouveras rien. Tu vois bien que tu ne trouveras rien. Non, je vais attendre ce soir et voir ce qui se passe à nouveau. C'est lui qui fume dans les couloirs. C'est lui qui fume des grosses clopes. Je vais vérifier s'il y a vraiment personne et retourner là-bas pour être sûr. Qu'est-ce qu'elle veut vérifier? Petit batteur, la caisse. Vérifie que le lycée est bien vide. Ok, attends le soir. Donc il faut que je retourne en arrière. Que tu vérifies si le lycée est bien vide. Nathaniel! Mais qu'est-ce que tu fais encore ici de me ficher la trouille? J'avais de la paperasse à faire encore. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien, je vais voir si c'est passé le jour sur produit. Ok, bon bah j'y vais alors, demain. Bisous, tout doux, dans... Non! À demain! Ah! Bon Dieu! C'est bon, on a vérifié, on peut retourner et attendre le soir dans la cage d'escalier. Bon, me revoilà! Me revoilà! En y repensant bien, que ce soit Nathaniel ou Castiel, Morty, ils étaient vraiment bizarres! Encore ce bruit? Oh! J'ai quand même la trouille! Ah! Ah! Qu'est-ce que j'ai peur! Cette fois-ci, on lui met des taquets au fantôme. J'ai fini par détailler comme un lapin et encore un peu honte. C'est ça les ondes, c'est ça le club des 5 en 2012. Oui, mais elle est toute seule, ça fait pas le club des 5, ça fait le club des 1, à moins que tu parles de ses 5 doigts. Mais dans ce cas-là, il y en a 10. Ah, ils sont 5 dans sa tête, je pense. Facilement. Bah là, c'est Golden Icono Dur.
C'est Golden Dur. Golden Dur. Golden Dur au rapport. Je vais voir si j'en trouve quelque chose qui traîne là-bas aujourd'hui. Et peut-être que je vais arrêter d'user mon stand parce qu'il se peut que j'ai l'air d'une idiote en horaire comme ça. Je me balade en culotte en plus. C'est notre le danseuse du carnaval. Carnaval. Le carnaval trouve à nouveau deux objets suspects. On a trouvé un bloc-notes et un morceau de plastique triangulaire. C'est des Illuminati. Est-ce que tu pourrais montrer les objets? Comment est-ce qu'on fait? Ils sont là. Ah, ils faisaient de la guitare. C'est pas un... Oui, je vais dire, c'est un plectrum, ça. Oui, c'est ça. Et ça, je suppose que c'est pour refaire de la musique. Donc c'est quelqu'un qui joue, mon Dieu. Il fume des gauloises à l'arrière du lycée en jouant de la guitare. Je me demande bien qui c'est. Oh, ça doit être Nathaniel parce que c'est son lui du soir. En fait, il présente bien la journée et la nuit, il va boire des bonnes 8-6 à l'arrière du lycée en fumant des gauloises. Je l'ai encore vu. Oh. Mais t'as vu quoi? Le fantôme. J'ai vu le fantôme. Mais t'as rien vu en plus, menteuse. Tu t'es barré parce que tu t'es fait caca dessus. Qu'est-ce qu'on lui dit? Mais on lui dit rien, tout est un mensonge. J'ai encore vu le fantôme ou mais quoi Mais on aura moins 5 encore, j'en ai marre. Moi je comprends pas. Framboise, qu'est-ce qu'on mettrait? Qu'est-ce qu'on mettrait? Y'a quoi? Tu sais très bien de quoi je parle, le fantôme. Il est encore tu sais très bien de quoi je parle. Bah non. Bah non. Moins 5, allez. En fait j'ai encore entendu le même putain de bruit. Ah. Ah non, j'ai cliqué sur l'enregistrement. Bravo. Et j'ai l'impression que tu m'aides pas beaucoup, connard. Bon, on verra la suite de l'enquête plus tard. Mais pourquoi t'es parti? Plus tard. Mais c'est la fin de l'épisode, étagère. Discuter avec lui, ce sera la fin de l'épisode. Oh, il est encore apparu. Tu veux arrêter de dash la souris, là? Ça suffit, monsieur Gère. Laisse-moi tranquille, j'en ai marre de me fâcher avec tous les garçons. Moi, j'aimerais assurer la pénérité... La pénérité... Je l'ai encore vu. J'aimerais assurer la pérennité de ma lignée, ok? Je suis parti en courant avant de voir que ce soit, mais je l'ai entendu. Ça m'étonnerait que tu sois grand. Alors, joue de la guitare. Il faut qu'on ait du répondant, c'est ça? Ils étaient tellement chiants, les putains de musiciens au lycée. Tellement chiants. Je les détestais. Qu'est-ce que je réponds, moi? Mais je sais pas, ils aiment tous... Bon, allez, nique-toi, nique-toi, elle est bonne dans l'épisode. Nique ta mère. Au revoir, tout le monde. We are...